C'est le quartier du Vieux-Port qui a forgé son âme d'artiste. Hubert Tempête y est né et ne l'a jamais quitté. Là, j'ai passé mon enfance. Là, on pêchait un peu des mulets comme ça. Vitrier, puis facteur le jour, chanteur la nuit, il est vite devenu le roi de la Magagne. Le boulot, moi, c'est la chanson. Moi, j'aime rigoler et tout. Moi, on m'enlève ça, on m'enlève tout. Je lui ai dit, rien qu'en baillant, nous gagnons des paquets d'argent. Toi qui es très intelligent, tu n'as plus qu'à en faire autant. Mais devenir artiste et y consacrer 60 ans de sa vie fut d'abord un combat, loin d'être gagné. Quand j'étais jeune, adolescent, j'aimais chanter. Je voulais être chanteur, je voulais devenir un chanteur. Mais je n'avais pas une belle voix. Alors j'avais une voix qui n'était pas belle. Et une fois, je chantais une chanson populaire connue de l'époque. Hein. Et il y avait Place Saint-Nicolas, j'ai loupé le coup. Et on m'a sifflé. Et moi, ça m'a vexé. Je leur ai dit, vous allez entendre parler de moi. Et là, j'avais la rage de réussir dans la chanson et être connu mondialement en Corse et être l'artiste le plus pauvre. Tu verras, chérie, mon cœur, fais-moi confiance. Bercé dès le plus jeune âge par les Magagne et Hubert Tempête, José Olio, avec son groupe, reprend plusieurs textes de l'artiste. Et alors Hubert, c'est le père spirituel, comme l'appellent les Mantignes. On a voulu rendre hommage à la Magagne Bastillaise, on est venu voir Hubert. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça, on est tombé sur un personnage. Moi, au départ, j'étais un petit peu impressionné, puis en fin de compte, quelqu'un de très modeste, ouvert, et voilà. À 80 ans, au comptoir de son restaurant ou sur scène, Tempête ne faiblit pas. C'est classique, à Méria, où vas-tu Bastia, le maître nageur, n'ont pas fini de raisonner. Une grande gamine, j'ai reçu, qui allait se noyer dedans une bassine. J'ai reçu du préfet la médaille du sauveur. Si je veux être très fier d'être maître nageur à la Mara.